que ce soir on puisse repartir avec le point du match nul d'ici n'est pas une mauvaise chose. Va falloir qu'on fructifie derrière. Si on arrive à prendre 3 points le prochain match à domicile, ça serait une bonne opération. C'est mitigé, on est un peu déçu, mais on savait aussi que ça allait être un match difficile ici. Donc on est quand même aussi content de repartir avec un point de là-bas. Donc c'est bien, il y a eu des choses positives. Maintenant, enfin, il y a une trêve, donc on va bien se reposer. Et on va se remettre au travail après pour la réception de Toulouse. The spirit is to come to it was to come here to win the game. I think we did many things to in order to win the game. We arrived 29 times into the opposite box, so we generate so many things. I think we were not very precise in the last pass and in the last shoot, especially in the finishing. So there is a little bit of concern and frustration for this one, but in the other side, I think again it's one game where this point I think we will give a lot of value in a couple of weeks. Dans le dernier geste, dans les dernières passes, dans les frappes, je pense qu'on a manqué un peu de frappe, on n'a pas assez tenté, je pense. Donc on n'a pas non plus trop d'occasions franches, je dirais. Donc non, c'est dommage. Après, ça reste quand même positif. On n'a pas pris de but. Donc on repart ici avec un point, c'est bien quand même. Till the last moment, also in the last ball of the game, we try to go with everybody in the last free kick to attack the box. So the spirit to win the game was there. But again, when it's not possible, we need to also to give credit to the opponent, to the quality of the opponent. One team that, as I said, they have very clear their game plan, and also that they have 2-3 players that are really challenging for everybody. Donc on a encore un clean sheet, donc ça c'est bien pour l'aspect défensif. Après c'est clair qu'on aurait aimé marquer, on aurait aimé être plus tranchant offensivement, mais comme j'ai dit, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. To do what we are doing, it's demanding to us a lot of energies. So now we will have some days to recharge and after to start to work again for the next games that are going to be very difficult, very challenging, and to be mentally and physically ready for the competition.